éducation, mobilisation. On a prêté les encore? Assainissement, éducation, mobilisation. Tout ça, où elle souhaite expliquer là, il entre dans trois barres, ça, qui c'est? Assainissement, éducation, mobilisation. Il souhaite expliquer en détail pour l'école. Je vais expliquer en détail pour l'école, même tout seulement qui petite différence qu'il y a dans l'église. Parce que dans l'école avec dans l'église, il y a pratiquement même bagaille. Petite différence qu'il y a dans l'église, c'est que dans l'école là, éducation, hein, école à milieu de la santé, programme là, il y a un programme scolaire si vous n'avez pas. C'est-à-dire que dans l'école, si vous n'avez pas entré là-dedans. Alors que dans l'église, là, on va obliger une autre façon pour faire éducation. Par exemple, on recommande pour faire 5 minutes de santé. Par contre, si toute l'église fait 5 minutes de santé, mais en fait, nous recommandons pour chaque dimanche, chaque samedi dans l'église, dans toute culte, dans toute présentation que nous faisons, il y a 5 minutes qui sont réservées pour la santé. Assainissement, c'est tout ça que nous dit, qui te parle de poubelle, qui te parle de latrine, qui te parle de côté pour nous laver, mais tout le bagage, c'est même qui est assainissement. Mobilisation, lui-même, il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Premier aspect, c'est l'aspect que le palier de lycée club de santé. Il te dit nous ça déjà, il te dit nous, toute école amie de la santé doit gagner. Ça me dit, doit gagner club santé là-dedans. Il doit gagner, l'école là qui a décidé, toute l'école là son club, parce que l'école là doit gagner peut-être